Le printemps de l'industrie se poursuit en Picardie. Cette semaine, direction Creil pour découvrir en compagnie des élèves du lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise, l'entreprise Neuf Metal Coatings. Leader mondial dans le domaine des revêtements anti-corrosion, Neuf Metal Coatings a choisi d'installer son site de recherche et développement pour l'Europe en Picardie. On développe ici des solutions techniques pour la protection des pièces métalliques qui trouvent leur débouché dans les secteurs de l'automobile, du ferroviaire ou encore de l'éolien. Vous avez vu quand on a été chez Noireau, vous avez vu ici, vous avez vu tous les outils de recherche et développement, donc c'est extrêmement évolué. On est dans des labos ici, on est dans une très très forte valeur ajoutée. Et c'est ça l'emploi du demain dans le monde de l'industrie. Ce sont des vrais débouchés. Dans un monde difficile, on a besoin de gens pour travailler. Donc il n'y a pas que des portes fermées, il y a des portes ouvertes. Sachez pousser les bonnes portes. Positionné sur un secteur en pleine croissance, l'entreprise développe de nombreux projets avec le lycée Marie Curie, avec comme objectif d'accompagner les jeunes dans leur formation professionnelle. Dans le cadre d'un partenariat de longue date entre la société Neuf Metal Coatings et puis le lycée Marie Curie, nous avons de nombreux stagiaires ici. On a cherché à pousser un petit peu plus loin le partenariat dans la mesure où la société Neuf développe de nouveaux produits que nous pouvons voir à côté de nous, comme des disques de frein. Et puis, ils avaient besoin d'éprouvettes pour tester leur revêtement. Eh bien, on leur a réalisé ces 500 éprouvettes qu'ils utilisent au quotidien dans leur laboratoire pour éprouver leurs produits. Ça rapproche nos jeunes en formation de l'industrie. Ils réalisent des pièces qu'ils savent être utiles à un client final, qui est la société Neuf en l'occurrence. Donc ils font les travaux avec plus d'intérêt, avec plus de plaisir. C'est plus efficace pédagogiquement. Et la société Neuf également nous fait travailler. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le printemps de l'industrie se poursuit jusqu'au 13 avril. La région vous invite notamment à assister à la conférence sur les formations industrielles en Europe, le 7 avril prochain, à l'UT d'Amiens. Retrouvez plus d'informations sur www.printemps-industrie.picardie.fr.